Saint-Martin est une des perles de la Caraïbe, réputée pour la beauté de son territoire et de ses plages, un paysage de carte postale. Malheureusement, cet équilibre est fragile. Le tourisme est l'une des principales ressources économiques de l'île de Saint-Martin. L'île attire les vacanciers grâce à son climat, sa gastronomie et ses sites naturels préservés. Mais le manque de propreté de l'île pourrait avoir un effet néfaste sur la fréquentation touristique. C'est extrêmement important. Depuis Irma, heureusement, on a eu une nouvelle saison et le tourisme est reparti. Évidemment, il y a des amoureux de Saint-Martin et qui reviennent sur le territoire et ça nous aide beaucoup dans la relance économique. Par contre, évidemment, on a des remontées d'informations et il faut vraiment qu'on ait une île qui soit propre. Les touristes qui viennent sur Saint-Martin sont des gens qui habitent en Amérique du Nord, en Europe, partout, et qui travaillent fort toute l'année pour se payer une semaine de vacances et ils viennent parce qu'ils achètent du rêve. Ils veulent venir chez nous parce qu'on a une très belle île, avec des très belles plages, avec des très belles montagnes, et ils veulent profiter de la nature et du côté naturel et du côté aussi désordonné du côté caraïbéen, parce qu'ils adorent Saint-Martin tel qu'il est organisé. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir une île propre. Personne ne veut aller en vacances dans un endroit qui est sale. Il faut absolument que tout le monde fasse l'effort, les entreprises touristiques et toutes les personnes de Saint-Martin, pour offrir à nos clients touristes une île propre. L'impact n'est pas qu'économique, il est aussi environnemental avec la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Je fais la pêche depuis 20 ans à Saint-Martin et j'ai vu beaucoup de changements au niveau des captures. Avant, on attrapait pas mal de poissons et aujourd'hui, on en prend de moins en moins. Chaque année, on en prend de moins en moins. Donc, moi, je pense que c'est suivant le réchauffement de la planète surtout et la pollution du plastique. Et on voit des phénomènes de sargasses, on voit des phénomènes d'algues qu'on n'a jamais connus avant. Et les courants, ils changent aussi, la direction des courants. Et il faudrait faire quelque chose, et vite, pour que ce ne soit pas une catastrophe dans le futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Saint-Martin possède une réserve naturelle particulièrement riche où la vie se développe. La biodiversité et les espèces endémiques constituent un patrimoine naturel précieux pour Saint-Martin. Nous nous sommes interrogés sur l'influence de la pollution sur cette biodiversité. Alors, à Saint-Martin, il y a une biodiversité qui est complexe, qui est très riche. La réserve naturelle, ce sont des milieux marins, des milieux terrestres également. Et bien évidemment, sur ces milieux, aujourd'hui, il y a une forte pression anthropique, une forte pression humaine. Alors, une des problématiques qui est importante sur notre territoire, c'est notamment le plastique, la gestion du plastique. Alors, il s'avère que ces déchets, au-delà de l'aspect esthétique qui pose problème, bien évidemment, puisqu'on a des espaces naturels qui accueillent la population locale, qui accueillent la population résidente, qui accueillent également des touristes, on a énormément de plastique sur ces plages. Alors, au-delà de l'aspect esthétique, ce qui peut poser problème aussi, c'est l'ingestion de ces déchets plastiques par notamment toute la faune locale. Alors, je pense notamment aux tortues, aux mammifères marins, qui ont généralement tendance à confondre les déchets plastiques avec des méduses. Ces problèmes de nourrissage de ces animaux avec des déchets plastiques, bien évidemment, causent la mort rapide, parfois lente, de ces animaux. Au-delà de ça, le plastique est véritablement une source de pollution
qui est très importante dans le milieu naturel, puisqu'il est composé de différentes molécules, notamment des molécules chimiques. Et ces molécules, on les retrouve au sein de la chaîne alimentaire. Alors, ça va des coraux aux poissons, en passant par les tortues. Et puis, bien évidemment, ça arrive également dans notre assiette, au bout du compte, puisque ces molécules de plastique, on va les retrouver véritablement partout sur l'ensemble des écosystèmes. Des eaux peut aussi toucher plus directement la santé de la population. Voilà, donc ce qui doit attirer notre attention particulièrement, c'est la pollution de façon générale. Donc la pollution, ça peut être la pollution de l'eau destinée à la consommation, ça peut être l'eau de loisir, c'est-à-dire la mer, la baignade, etc. Et l'air également, et l'habitat tout autour de soi. Donc, le plus souvent, ceux qui sont en première loge, qui sont les mieux placés pour pouvoir participer à la lutte contre cette pollution environnementale de l'environnement, ce sont bien ceux qui décident pour ce qui est des infrastructures, des constructions, etc. Mais chacun, individuellement, on peut participer à l'environnement. On peut s'approprier de cet objectif, déjà autour de chez soi. Eh bien, on peut déjà ne pas amasser des détritus, des objets encombrants. Ces objets encombrants, si ça contient de l'eau, ça peut être aussi des gîtes où les moustiques se reproduisent. Et ou simplement, ça peut être des lieux où se logent des rongeurs tels que les rats. Et ça peut donner une maladie qu'on appelle leptospirose. Et cette maladie, on a fort à faire, telle qu'en Martinique et en Guadeloupe. Donc, c'est là des actions qu'on peut mener au niveau déjà de chez soi, de se protéger de l'environnement. Nous sommes sous la baie de Grand Caz. Donc, pour vous dire, nous sommes à côté d'un point qui fait l'objet de contrôles sanitaires régulièrement. Et l'eau de baignade, bien sûr, doit être surveillée. Donc, nous surveillons ce taux régulièrement. Mais pour arriver là, il est important que l'environnement soit protégé au maximum, par exemple pour que les riverains ne déversent pas des matières polluantes ou tout simplement de l'eau usée directement sur la plage, et également que tout autour soit protégé. Et chacun individuellement, on peut être amené à réagir, à ne pas polluer bien sûr les plages, parce que non seulement on veut que l'eau soit de bonne qualité, mais également la plage tout autour. Malgré le ramassage de tonnes de déchets effectué après l'ouragan Irma, certaines personnes peu scrupuleuses continuent à déverser leurs déchets dans la nature en toute illégalité. Pourtant, la déchetterie de Galice Bay est accessible aux particuliers gratuitement, même le samedi. Et l'écocide de Grande Caille est ouvert aux professionnels à un tarif très raisonnable. Malgré tout, on remarque de plus en plus de décharges sauvages en pleine nature ou sur des terrains privés où les encombrants s'accumulent au fil des jours. Nous avons tous eu à souffrir d'Irma qui a tout détruit sur son passage. Nous sommes entrés dans la période cyclonique le 1er juin et tous ces encombrants sont des projectiles potentiels si un ouragan venait à passer sur notre île. Ces déchets lourds représentent un danger pour les biens, les habitations et la vie de tous les habitants.
Certains jeunes Saint-Martinois, soucieux de la préservation et de l'avenir de leur île, tentent de mobiliser autour de la question de l'environnement. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est aider la planète, la plage, en nettoyant la plage, j'ai appris que c'est pas bon de jeter des déchets par terre parce que ça va tuer nos planètes et après dans le futur on va plus avoir de planète. Et ce que m'a fait mal au cœur à moi, c'est que l'année dernière, dans ma classe, on a trouvé un petit poisson mort. Il avait un morceau de plastique sur son ventre. Et on a trouvé une tortue morte aussi. Et aussi, ce qu'on a trouvé, c'est des déchets. C'est que des déchets. Et moi, je pense qu'il faut dire à les gens, à les plus grands, d'arrêter de jeter des déchets. Parce que ça va. Il faut nettoyer notre plage, notre planète. Je vais préparer la plage et avec ma classe, on va commencer à venir ici pour réparer tous les déchets. On va voir qu'on peut nettoyer, qu'on peut sauver. On va voir les animaux, comment ils vivent un peu. Et on va voir les chats pour enlever ici. On va jouer des jeux pour réparer les déchets. On va faire des choses juste pour la nature encore. Si on ne fait pas ça avec la classe, c'est mortel, ça serait détruire. Et tous les autres îles n'existeront plus jamais. Et personne ne pourra exister si je ne rentre pas ici pour avec ma classe. C'est pour ça qu'on a commencé à venir dans la rentrée pour sauver Galion, comme il y a plein de déchets ici. Aujourd'hui pour vous présenter notre projet, la brigade anti-plastique au Collège de Quartier d'Orléans. Ce projet était mis en place depuis 2 ans et s'était inspiré de le concours avec le sanctuaire Algoa contre la pollution plastique dans l'océan. On a fait beaucoup de projets, mais on a choisi ces 2 projets parce que ça concentre beaucoup sur ce qu'on lutte contre. Par exemple, la paille qu'on a trouvée sur le bord de la mer, et aussi les bouchons et le sac en plastique qu'on a trouvé sur la route pendant nos nettoyages plastiques. Cela nous a aidé de faire notre logo pour nous représenter. Par exemple, on a le sac en plastique, la paille et aussi la bouteille en plastique. Pendant ces 2 ans, on a fait beaucoup d'actions que mon collègue Marc va vous expliquer. Je m'appelle Marc Daniel et je fais partie de la brigade anti-plastique de Quartier d'Orléans. Je vais vous présenter toutes les actions qu'on avait faites pendant ces 2 ans. On a fait des nettoyages autour des écoles et autour de quartiers avec nos profs d'anglais. On a aussi fait des posters pour le mettre dans des magasins pour sensibiliser les gens aux usages du plastique. On a aussi fait des présentations orales dans à peu près toutes les écoles de quartier de Saint-Martin pour l'expliquer que ce n'est pas tellement bien d'utiliser du plastique. Enfin, on a fait une pétition pour sensibiliser les adultes aussi que les enfants au problème. And remember, our earth is most precious. In order to protect our environment, we need to use less plastic.
Au cours de notre année scolaire, nous avons étudié les dégâts que nous, humains, causons à notre environnement, notre planète et également à notre île. Suite à ces constats, nous avons étudié plus précisément la pollution plastique, qui est majoritairement constituée de pétrole, ce qui est très polluant. Et nous avons également étudié l'origine du plastique, ce qui nous a conduit à réaliser un ramassage des déchets plastiques en 10 minutes aux alentours de notre lycée. Nous, élèves de seconde 5, avons organisé un ramassage de déchets aux alentours du lycée. Et en l'espace de 10 minutes, nous avons ramassé plus de 1000 déchets, ce qui est assez effrayant pour notre avenir et la génération future. Pour mieux comprendre tout cela, nous avons illustré le résultat de notre ramassage sous forme de statistiques. Alors, sur le camembert ici présent, nous pouvons voir que les trois quarts de notre ramassage étaient du plastique et que dans le quart restant, nous avons pu récupérer des canettes, du papier, des verres, des sachets, des pailles, du polystyrène et beaucoup d'autres déchets. On a étudié les effets plastiques sur l'environnement et on a constaté qu'il y a des façons très faciles qu'on peut faire pour réduire cette pollution. Pour commencer, quand on fait la course, au lieu de prendre les sacs en plastique, on peut prendre des sacs en coton ou en papier. Les gens pensent que quand ils jettent des bouts de plastique dans la nature, que ça ne revienne pas. Mais oui, ça revient. Ça rentre dans l'océan, les poissons les mangent et nous, on les mange aussi. Pour nos boissons, au lieu de prendre paille, on peut juste les boire sans paille. Évitez d'utiliser des ustensiles de plastique et juste les utiliser en métal ou en bois. Recycler, réutiliser et refuser sont trois étapes faciles qu'on peut faire pour réduire la pollution. Le ressenti de notre classe de seconde 5 est qu'ici à Saint-Martin, les habitants ne prennent pas soin de leur île. Ils ne comprennent pas qu'un petit déchet plastique jeté à terre peut entraîner 10, 20, 30, des millions et des tonnes de plastique sur toute notre île, sur toute la planète. Et ceci est inacceptable. Nous avons aussi des déchets dans les océans qui pourront engendrer des maladies pour les animaux et nous allons les consommer après, ce qui est quelque chose de mauvais. Oui, notre île va mal et nous devons nous en occuper et arranger les choses à notre échelle. Des associations et des fondations se mobilisent aussi pour le nettoyage de l'île en organisant des campagnes de ramassage de déchets. Alors l'association existe officiellement depuis septembre 2018, mais on existait avant sous forme de collectif depuis donc octobre 2017, juste après le cyclone Irma. Et aujourd'hui, on est à environ une quarantaine d'opérations de nettoyage effectuées sur la partie française de Saint-Martin, principalement les plages. On essaie de diversifier aussi, on a fait des nettoyages d'étangs l'été dernier quand la saison était sèche et que les étangs étaient asséchés. Aujourd'hui, là, on fait une mission sur Concordia, donc plus dans les montagnes. En fait, on privilégie les endroits qui sont pas privés et qui sont fréquentés quand même par du monde. Donc c'est vrai qu'au début, suite à Irma, l'urgence, c'était les plages pour pouvoir réaccéder aux plages, en fait, parce qu'il y avait énormément d'objets dangereux. Aujourd'hui, c'est des déchets un peu plus communs, on va dire. On a énormément de bouteilles en verre, énormément de bouteilles plastiques, énormément de bidons de plastique, beaucoup, beaucoup de plastique. Ça, c'est vraiment un peu le fléau hein, de notre siècle. Et voilà, on fait des estimations autour de 400 mètres cubes quand même de déchets ramassés depuis le début de nos actions. Donc le but, c'est bien sûr de sensibiliser aux déchets, vraiment sensibiliser toute la population à toutes les échelles. Et voilà, et puis vraiment se sentir utile. Et il y a énormément de déchets encore aujourd'hui, même un an et demi après le cyclone. On peut le voir quand on se déplace, quand on se balade, quand on va à la plage. Certaines îles de la Caraïbe ont déjà pris conscience des problématiques environnementales et de l'importance de préserver leur patrimoine naturel. Non, quand on était jeune, la nature était occupée par les aînés qui m'ont précédé. C'est pour ça que je me trouve ici maintenant dans cette matière.
Mais quand on y va dans les hauteurs, dans les différents endroits du chantier, les conséquences de Hioma, elle est terrible. Il y en a plein de tôles qui n'est pas quelque chose qui appartient à la nature. Ici chez moi, il y a un monsieur qui est sorti de Colbé et il m'a dit qu'il s'appelle Monsieur Toll. Et il a ramassé tous les tôles que j'avais dans le jardin comme un miracle, quelque chose de miraculeux. Il les a déposés dans un char et est parti avec eux. Mais quand on fait les sentiers derrière et on y va, il y a plein de tôles, il y a plein de trucs, oui, il y en a beaucoup de choses à nettoyer. Pas beaucoup dans la montagne, mais il y en a aussi des gens qui marchent, des gens qui font des différents chantiers. Eux aussi, ils ont des différents plastiques, ils ont des sachets, ils ont des bouteilles, ils ont un tas de trucs comme ça. On peut leur sensibiliser à travers donner-leur le travail à faire. Alors, comme il y a plusieurs associations qui font les différents tracés, qui marchent, qui en a des VTT, des trucs comme ça, à travers ces mêmes associations, vous pouvez créer des sentinelles de nettoyage, des sentinelles de prise de conscience. Et on n'est pas obligé de faire tout dans l'État ou la collectivité. On peut aussi travailler avec les associations. Alors, les associations, ils ont des bénévoles. Et à travers ces bénévoles, beaucoup de choses puissent se faire. Mais je pense qu'il faut avoir une approche à ça. Quand il s'agit des plages, au fond des plages, il y a toujours des cacheteries où il y a plein de choses qui sont jetées. Quand on regarde dans les différentes zones un peu retirées, il y a plein de choses. Et s'il n'y a pas un projet en place, on va les voir, on va en parler, mais il ne va rien se faire. Alors je pense que dès qu'on a détecté qu'il y a un problème, qu'on est malade, eh bien on va tout de suite vers les docteurs pour chercher le soin. Eh bien, je pense qu'avec la nation aussi, on devait avoir cette même réaction et ça va nous aider beaucoup plus que de rester voir et de parler. Il y a plein de choses aussi, j'aurais aimé aussi sensibiliser la population à travers cet ensemble commun, que tout le monde puisse travailler ensemble et avoir une tâche, avoir un assignement, avoir une responsabilité, une obligation. Parce qu'on a des générations qui arrivent et qu'ils ne peuvent que prendre ce que nous, on leur donne. Et si on ne leur donne pas le vrai, la vraie, eh bien, on risque d'obtenir la même chose que nous, on vit, à répétition, à travers le temps. Nous avons demandé aux habitants de Saint-Martin s'ils avaient des pistes d'amélioration et ce qu'ils étaient prêts à faire pour préserver notre île. I think it could be, it's clean, but it could be much cleaner than it is. I think like if everybody come together and just, you know, take little parts and start cleaning up stuff, that would help instead of just waiting for like people who live around there to do it. The community come together, have a cleanup day, something. Okay, I find the island is not clean enough, and around my area where I live, I just help around to clean, and what I suggest is that they get association, the neighborhood people come together and clean. Just clean the area that's dirty, they're not a whole San Martin, but that's dirty. So just need a little more cleaning. It's not bad for right now, but you guys can work on that and make the island look spectacular. Maybe we get more workers or we get a team put together. Oui, on pourrait dire que les gens arrêtent de lâcher des déchets dans la rue et aussi, enfin, il y a la poubelle un peu partout dans Saint-Martin, donc tu peux jeter dans la poubelle et sans la lâcher dans la rue, tu vois. Et aussi aider les gens, enfin les gens qu'ils veulent voir faire et ils leur disent de le pas faire en fait. All right, before the island was much better. 2 years ago, before the hurricane, it was clean, perfect, and full organization. Right now, it's a mix. The people don't want to share with the government to solve all the problems. So yes, you need to be better. I think the best option is to try to find with the government solutions to solve the new problems. But actually, the new problem is not only from the island. The people who's coming have to find a way to share the law and the way to live here. That's the most important part, because without that, if I don't know how the people have to work to live here, it's impossible for a foreigner to share or to help, to rebuild, to clean, to do everything. Actually, it's that the real question that goes to
find here. Oui, après toutes ces années, malheureusement, tout le monde n'y met pas du sien. Si tout le monde y mettait un petit peu du sien, l'île serait un peu plus propre. Je vois malheureusement un peu partout, comme devant la poste, souvent des cartons qui traînent toute la journée, des déchets. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Vous voyez dans la rue centrale de Marigot, derrière la poste, tous les déchets qui traînent, c'est inadmissible. Les épaves de voitures qui restent vers chez nous, c'est pas normal. It is clean to a certain extent, but it could be better for sure. It could be better. Yeah. Well, yeah. Well, I think that the citizens can do better of not disposing, you know, garbage along the streets. It's good to separate the material that can be recycled. Use the bins that are put. I believe that if we use the bins to recycle the materials that can be recycled, it's very good. And to keep the roadsides, you know, free of all the debris and the garbage, I think we'll do much better if we can do that. La propreté de l'île est l'affaire de tous. Il faut que chacun se sente concerné. Agissons ensemble pour refaire de Saint-Martin un petit paradis.